Yo les refs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous fais cette petite intro pour vous expliquer le concept de la vidéo qui va suivre. Donc ce que vous allez voir, ça va être le tout premier épisode de ma nouvelle série Tour des Stades, série dans laquelle je vous emmène avec moi pour visiter le plus de stades possible, soit en France ou en Europe, ou dans le monde entier même, hein, le plus possible, et pour vous faire vivre tous les matchs que j'ai la chance de pouvoir aller voir. Donc je sais pas encore exactement à quelle fréquence sortiront ces vidéos, hein, j'ai rien fixé, même si j'espère que ce sera le plus souvent possible. Pour ce premier épisode, là on est le jeudi 6 octobre, je crois, le premier match que je vais vous faire vivre a lieu demain soir. On doit prendre l'avion demain au début d'après-midi vers 13h ou 14h, quelque chose comme ça. Alors je dis on parce que pour ce premier épisode, je serai pas seul, je serai accompagné. Donc voilà, avant que la vidéo commence, je tenais à vous rappeler de vous abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo au maximum. Et en attendant qu'on se retrouve au stade, je vous mets quelques vidéos du voyage, c'est parti! Verdict. C'est froid. J'ai des sommes. Le steak est excellent. C'est pas mal. Allez, c'est parti pour le premier épisode. Bienvenue à West London. Le club que je vous présente aujourd'hui, c'est les Queen's Park Rangers. Ils ont été fondés en 1882. Ils sont surnommés The Hoops ou alors The Owls. Et ils jouent au Loftus Road Stadium qui a une capacité de 18 439 places. Allez, place au match! Here at Loftus Road tonight.
pour le débrief de la mi-temps, je suis obligé de le faire en voix off parce qu'en fait au montage j'ai réécouté tous les rushs que j'ai pris et avec le bruit qu'il y avait dans le stade et là particulièrement à la buvette pendant la mi-temps, on n'entendait absolument rien de ce que je disais. Donc pour vous faire le petit débrief, la première mi-temps, elle a été largement dominée par QPR en termes de possession de balle. Je crois qu'ils avaient quasiment 70% de possession. En termes d'occasion aussi, parce qu'à part le penalty, Reading, ils ont vraiment pas eu de situation dangereuse. QPR, ils en ont eu plusieurs. Donc voilà, la première mi-temps a été dominée par QPR. Le 1 partout mi-temps, il est vraiment bien payé pour Reading. Et donc maintenant, c'est parti, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Et voilà les refs, c'est tout pour ma première vidéo de ma nouvelle série Tour des Stats. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de se quitter, je vais mettre en place un petit système de classement pour noter chaque stade dans lequel je vais. Alors, je vais mettre 4 notes. Une première note pour l'ambiance au stade, une deuxième note pour la buvette, une troisième note pour le stade en lui-même et une quatrième note pour vous parler du rapport qualité-prix. Donc cette fois-ci, pour l'ambiance, j'ai mis 4 sur 5 parce que c'était vraiment top. Tous les supporters, que ce soit ceux de QPR ou le parkage de Reading, ils ont chanté tout le long, donc c'était vraiment incroyable. Pour la buvette, je vais mettre un petit 3,5 sur 5. Malheureusement, on n'a pas pu prendre quoi que ce soit parce qu'on est descendu après la mi-temps et il s'était fait dévaliser, mais je sais d'expérience, vu que j'étais déjà allé au stade, que la buvette est pas mal. Pour le stade en lui-même, je vais mettre 3,5 sur 5 aussi parce que franchement, il est top. C'est un petit stade à l'anglaise comme j'aime bien. Il est facile d'accès parce qu'il y a une station de métro à 5 minutes à peine. Et enfin, pour le rapport qualité-prix, je vais mettre 3,5 sur 5 aussi parce qu'on n'a pas payé excessivement cher. Les billets nous ont coûté 28 pounds, moi j'ai dépensé 10 pounds à la boutique pour une écharpe et 3 pounds à la buvette pour un coca, donc le tout ça fait 41 pounds, je crois à peu près 47 euros pour un super match, une très belle ambiance, donc je trouve ça plus que correct. Donc voilà, c'était pour finir la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les refs, prenez soin de vous.